Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis on va parler KvK, on va parler match de Ligue Osiris mais aussi on va pouvoir faire un comparatif puisqu'on se pose souvent la question moi le premier est-ce que mon royaume est bien placé en termes de points est-ce qu'on est dans les standards est-ce qu'on est en dessous est-ce qu'on est, qu est au-dessus je vais vous montrer trois royaumes de comparaison 2 hein, Imperium et le mien comme ça ça va vous permettre de vous faire une idée puisque vous allez avoir trois échelles différentes et ça pourra vous permettre de voir comment votre royaume est positionné au milieu de ça avant cela les amis un petit retour sur la vidéo d'hier si vous l'avez raté, comme d'habitude je vous mets le lien en haut en et surtout, surtout, surtout pour ne rater aucune vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Encore une fois, on se dirige en missile vers les 4000 abonnés. Est-ce qu'on va l'atteindre très rapidement? Là, en tout cas, c'est bien parti et je vous en remercie vraiment énormément. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, c'est aussi ça qui aide le développement de la chaîne. Sur la vidéo d'hier, vous m'avez posé un nombre de questions sur le fait pourquoi les américains, par exemple, ou les chinois, là c'est pour les américains, payaient les packs moins cher que nous. C'était pas une volonté de favoriser favoriser euh, proprement dit euh, les Américains, parce que Lilith est une boîte euh, asiatique et donc elle pourrait vouloir euh, favoriser les Asiatiques plutôt que les Américains, puisqu'il y a une compétition déjà en termes d'économie entre les US et, et la Chine, mais c'est surtout que les taxes sont différentes, comme l'un d'entre vous le disait très justement, expliquait très justement ça très finement, les taxes sont différentes aux Etats-Unis, il y a des, des États aux Etats-Unis où il y a zéro taxe, 0% de taxes, donc c'est pour ça que les packs sont moins chers, imaginez-nous si on n'avait pas la TVA, les packs seraient 20% moins chers par exemple. donc c'est euh, une réalité, et en plus, il y a une conversion euh, qui est faite de l'euro. Qui est fausse par les entreprises, mais à juste titre, puisqu'elles considèrent que c'est des coûts d'importation, alors que là il n'y en a pas, je dis à juste titre, mais c'est ironique hein, pour le coup, puisque là il n'y a pas de, de coûts d'importation sur des produits dématérialisés. Ils font souvent 1$ égale 1 euro, ce qui n'est pas vrai du tout et ce qui est vraiment en défaveur de nous européens qui payons en euros. Donc voilà parenthèse fermée pour ce retour sur la vidéo d'hier. Passons maintenant au classement et au terme au nombre de points que nous avons euh, sur notre royaume. Alors, on est sur le dernier jour, donc dans quelques heures, dans moins de 24 heures, ça va se finir. On regarde le timer. Ça se finit dans 17h, 17 minutes et 43 secondes très précisément. Donc on le voit le classement. Alors le classement individuel. Donc je suis redescendu. Évidemment, j'ai pas pu farmer hier. Je pourrais pas farmer aujourd'hui. Pourquoi je n'ai pas pu farmer Parce que évidemment, je n'ai plus de potion de points d'action. Et je vais essayer de me refaire pour le KvK grâce à l'étape 3. Où il faut faire des forts de maraudeur. Et on le voit. Le classement. Donc le premier de mon royaume à 3 752 000. Ce qui est un très beau score. Hein. Le deuxième 3 430. 000, on voit c'est 1139 qui est notre allié. Qui est euh, le un serveur de catégorie A qui trust les premières places et on voit le, le troisième est à 3, ,3 millions 3 et le premier de mon alliance et de mon royaume est à 3 millions 100 Galbi bien joué il vise la première place et euh, on a aussi euh, Remus qui vise aussi la première place mais il a pris un peu de retard là on va voir comment ça va se finir mais en tout cas un, un beau classement les, les scores sont, sont standards de mon point de vue et le classement général des royaumes on le voit le premier est à 212 millions le deuxième à 161 millions et le troisième à 152 millions et on a toujours très 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 loin derrière le 11. 86 à 25 millions. J'ai eu un écho apparemment, c'est un royaume où ça va vraiment très mal. Euh, je dis bien, c'est des informations qu'on m'a rapportées. Hein, je n'en sais rien, je n'ai pas été vérifié. C'est un royaume qui va très mal, il y a des problèmes avec euh, le lead, et donc euh, ils ne font pas du tout euh, le pré-KVK. Est-ce qu'ils vont faire le KVK On verra bien. Mais en tout cas, ne pensez pas qu'un royaume qui a la traîne en point aujourd'hui, euh, c'est un royaume qui se garde pour tout ouvrir à la fin. ça serait une erreur, puisqu'avec l'étape de, de changement de parchemin, d'échange de parchemin qu'on peut faire à présent, vous perdez du temps, et ça serait vraiment une erreur de faire ça. Vous pourrez pas tout échanger. À la dernière minute. Donc, euh, pour mon avis, les royaumes qui sont en retard comme ça, c'est vraiment des royaumes qui, qui ne font pas le prix KvK qu ou qui ont des problèmes en interne. Donc voilà, les scores sont plutôt, je dirais, moins standard de mon point de vue. Et pour en être sûr, j'ai souhaité comparer avec deux royaumes. Donc, premier comparatif avec un, un premier royaume, on va comparer avec euh, du, le, le lourd, le 1093. Comme vous voyez, le, sur le, le, le KvK du serveur 1093, où ils ont plusieurs euh, royaumes contrôlés, ils ont le, 1131, le 1331, pardon, le 1347, le 1352, on, on a plusieurs. Vous voyez déjà le classement euh, le classement individuel, il est déjà plus d'un million plus haut. Donc c'est énorme. Le premier à 4 725 000. C'est pratiquement pile un million de plus que sur mon royaume. C'est énorme parce que moi par exemple sur mon royaume je disais Galbi j'ai mon alliance qui est à 3100 il joue vraiment il, dès qu'il dort pas il joue de toute façon il fait les maraudeurs donc il fait vraiment un très gros score donc là on me posait la question justement sur ce royaume là est-ce que je pense qu'il est possible sans beauté d'avoir un tel score Alors mon avis c'est oui c'est possible sans beauté. Je me rappelle une époque très lointaine pour les plus anciens d'entre vous qui ont connu euh, le lancement de, de World of Warcraft en, en 2004, il y avait euh, une alliance très connue. Et même des joueurs très connus, des pro gamers qui sont toujours très connus, les Millennium. Les Millennium euh, faisaient à l'époque une technique très simple pour faire le premier, euh, le premier level 60, parce qu'à l'époque c'était que 60 hein, sur World of Warcraft. Le premier level 60, ils avaient décidé de jouer euh, H24 en se relayant sur un compte. Donc il est possible d'obtenir ce genre de score en se relayant sur un compte, c'est tout à fait possible. Donc c'est peut-être ce qu'ils font. Alors donc c'est possible de le faire sans beauté, sans aucun système de cheat. Ils se relaient sur le compte. Est-ce que c'est je ne sais pas, est-ce que c'est autorisé au sein d'un même foyer Peut-être donc euh, donc voilà s'ils font ça ils n'ont pas de soucis ils peuvent atteindre ce score là ça fait qu'ils jouent H24 et euh, bon ça fait beaucoup une grosse mise en place pour juste pour juste un jeu et juste pour faire un gros score auprès KVK, sachant que surtout euh, le gros des scores va se faire à, à la prochaine étape et à la dernière étape mais bon c'est sûrement des très très gros joueurs et vont faire des scores de ouf donc c'est tout à fait possible et le classement de, euh, des alliances on le voit donc sans surprise le 1347 et le 1340 31 sont premiers avec le 1093 qui est troisième D'ailleurs, c'est intéressant le 1093 qui est troisième. On va, on va revenir dessus pourquoi c'est intéressant. Je vais vous montrer euh, un petit mail d'échange euh, sur, euh, sur ce serveur et vous allez bien voir. Donc, on le voit, le premier, il est à 569 millions. Donc, c'est quand même énorme. Hein. C'est un score tout bonnement colossal. Pour comparatif, c'est presque deux fois, c'est même plus de deux fois plus que le premier de mon royaume, donc là on est vraiment sur le haut du panier si sur votre royaume de KvK le premier, donc là on est le matin il est, euh, il est un peu avant 9h, donc euh, vous regardez le timer il reste quand le screen a été fait, il était euh, là 4h du matin donc euh, c'est un screen qui a été fait à 21h avant la fin, comparez, est-ce que votre royaume était à ce niveau là ou est-ce que sur votre KvK vous aviez un royaume à ce niveau là je suis curieux de savoir s'il y a plus haut, je pense qu'il y a 2 ou 3 niveaux, c euh, royaume où c'est plus haut, peut-être sur euh, l'imperium des JWM ou sur celui des LG les LG sont très très actifs par exemple je serais curieux de savoir, de voir s'il y a plus haut Mais en tout cas là les scores sont assez impressionnants et donc on voit euh, 3ème le 1093 à ce moment là à 401 millions ce qui est déjà énorme et regardez ce mail du roi du 93 qui a été envoyé donc c'est euh, Lion King qui récupère de ce qu'on m'a dit, je vous rapporte juste les faits là il récupère euh, le, le titre de roi à chaque KVK, c'est lui qui mène les troupes et c'est drôle euh, à voir puisque c'est un mail assez pushy qui peut en surprendre certains, certains ont été euh, choqués euh, par ce mail, je l'ai vu euh, dans des réactions euh, sur les réseaux sociaux, certains ont été euh, surpris par ce mail, on trouvait ça un peu agressif, mais, euh, mais en tout cas c'est un mail de motivation pour dire à tout le monde de, de se motiver parce que il, euh, il n'accepte pas d'être à la troisième place, c'est sûr quand on est normalement le serveur le plus peuplé et le serveur le plus puissant, être troisième ça le fait pas il faut vraiment qu'ils euh, qu essayent de, de reprendre la première place mais après ils ont beaucoup de chance de le reprendre à l'étape 3 hein, à celle des, des maraudeurs et déjà à l'étape 2 à l'étape 2 puisqu'ils ont pas mal de baleines mais à l'étape 3 les forts de maraudeurs vont normalement avec un grand nombre d'actifs vont leur permettre de reprendre la première place donc ce mail vous le voyez il est assez assez pushy en disant qu'on va ils vont pas se laisser faire par des royaumes plus jeunes etc etc et que tout le monde doit s'investir qu'il faut bref c'est euh, c'est assez drôle quoi c'est c'est du rôle mais je trouve toujours ça même si ça peut paraître agressif moi je trouve que c'est dans le jeu c'est dans le rôle si c'est lui qui doit mener les, les la guerre c'est pas étonnant Continuons le comparatif, on passe maintenant euh, à mon royaume. Donc euh, vous le voyez, là c'est le royaume euh, du, euh, de mon, euh, mon Rérol que j'ai migré sur un Imperium. Vous le voyez, je suis sur le 157, celui des BBTH et des SOC. On le voit le classement, là pour le coup, il est même le classement individuel est légèrement en dessous euh, de mon classement pour le premier, puisque le premier n'est qu'à 3 400 000. En revanche, les autres, la moyenne du top 5 est supérieure, puisque le cinquième chez moi est à 2,7 millions, et là le cinquième est à 3 millions. 000 000 mais c'est inférieur à l'imperium du 1093, à le, pas à l'imperium, mais au, au KVK du 1093, ils sont en dessous, ils sont entre les deux, donc un, 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 ça se voit que c'est un imperium, ils ont une moyenne plus élevée, en revanche, ils ont euh, un classement moyen qui est euh, inférieur à celui euh, d'un très gros imperium, donc on se voit qu'on est sur un, un, un très bon imperium, mais sur, euh, sur quelque chose qui est quand même légèrement en dessous euh, du, du serveur du KVK euh, du 1093. Et pour le classement individuel, donc si on... On, compare, on le voit bien, on a le 1157 qui est premier avec 213 millions. Donc, 213 millions, c'est exactement à 1 million près le même chiffre que sur le 1139 chez moi. Donc, on le voit, c'est équivalent. Et les scores sont à peu près équivalents. La moyenne est plus élevée, mais le top 3 est à peu près équivalent au top 3 chez moi. Et le quatrième, en revanche, il est 14 millions plus haut, puisque le quatrième, c'est nous sur mon royaume. Donc, on le voit, c'est à peu près équivalent. Donc, ça se joue vraiment sur des individuels. Individu on va voir à mon avis l'écart entre les royaumes impériums je dirais médians et les royaumes euh, standards va se faire surtout à l'étape 2 et l'étape 3 puisque c'est là qu'on va voir euh, les, les très grosses baleines, surtout l'étape 2 hein, qui vont euh, beaucoup payer du coup et qui vont vraiment augmenter euh, très fortement le nombre de points du royaume. Donc voilà ça vous permet euh, de, euh, de vous comparer par rapport euh, à nous. Ces, euh, toutes ces informations-là, et euh, à nous et au, à deux Impériums, et de vous dire où vous êtes, parce qu'on m'a posé beaucoup cette question, est-ce que je suis bien classé, est-ce que je suis mal classé, est-ce que mon royaume est bon, est-ce que mon royaume est, est mauvais. Donc là au moins vous avez une base de comparaison basée sur trois niveaux euh, qui, qui sont différents. Passons à présent à l'affaire du jour, l'affaire même qui a fait la soirée d'hier et une partie de la nuit pour un grand nombre de joueurs. Retournons sur les matchs Osiris. Alors, les scores pour Osiris, ils sont là. On a eu côté euh, Anubis, on a été euh, très bon, les pronostics ont été très bons puisque l'Olympique Olymp... Lyonnais comme je dis, a gagné. Donc tous ceux qui ont suivi mes paris et mes cotes et ont parié dessus, ont gagné un x 3. Donc normalement côté euh, Anubis, vous êtes bien si vous avez suivi mes paris, vous êtes bien refait. Côté au russe, on est moins bien quand même. On est moins bien côté au russe. Quand on regarde, donc j'ai effectivement un petit bénéfice, hein, je suis à 9117. Je vous ferai une vidéo, comme chaque semaine, une vidéo pour les matchs qui vont arriver. Hein. On le voit pour les matchs qui vont arriver là. Je vais vous faire une vidéo. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de souci. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez bien sûr avoir les vidéos pour ce, euh, ce 16ème de finale. Hein. On voit les, euh, les qualifications pour ce 16ème. Et vous allez voir, c'est assez drôle sur ce qui s'est passé. Donc on va le voir. Tac, quand on regarde euh, les résultats, il y a un match qui n'a pas de résultat. Vous voyez, encore s'habiller. p 245 contre les 166. Mais avant D'y revenir évidemment, malheureusement, les roses ont perdu face au OV. Alors, heureusement pour les OV et malheureusement pour nous, puisqu'on avait fait un gros pari dessus. Mais l'autre pari à risque, je vous ai donné deux gros paris à risque hein, les C9N et les SNO, et les roses et les OV. Donc, on a perdu 1400. Moi, j'ai perdu 1400 sur rose OV. Je vous avais dit de pas tout mettre, mettre qu'une partie de, de votre RIC et C9N, SNO. Là, on a bien gagné avec un coef de 2,1. Donc, euh, on a gagné enfin 1,1 exactement, et on a gagné euh, donc euh, on 100, presque 1200 rig, donc l'un dans l'autre, ça se compense à peu près. Donc j'ai à peu près un tout petit peu gagné, hein, puisque j'ai gagné sur les 89 px, etc. Donc on a eu trois mauvais pronostics et malheureusement les deux gros pronostics où on a, où on a misé, qu'un seul des deux a gagné, Si on avait gagné sur les OV, on aurait été refait. refait mais là c'est pas c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Au moins on n'a pas perdu, on a gagné un petit peu et on va essayer vraiment de maximiser nos gains sur, cette, euh, sur ce, ce tour là de 16ème de finale. Alors, avant d'aller sur le 16ème, regardez le magasin. Pour le pré-KvK, enfin pour le KvK aussi, je vous conseille d'acheter les restaurations avancées de points d'action, les 10 là, c'est vraiment un must-have, donc n'hésitez pas à les acheter et gardez-les pour votre kvk parce que pour euh, light and darkness on a vraiment besoin de points d'action surtout si comme moi vous avez tout claqué donc c'est vraiment le premier achat à faire avant même pour moi les cinq statues les cinq sculptures légendaires donc si on va voir donc le résultat qui n'est pas tombé les p245 contre les 166 donc c'est étonnant on va aller voir le score est ce qu'on peut encore le voir si on va en regarder non on peut pas aller voir le score mais voilà je vous montre une image regardez le score à la fin de la partie oh mais non mais il n'y a pas besoin d'aller voir une image regardez, Regardez, on peut directement le voir en cliquant sur les P245. Vous le voyez, le score il est de 0-0. Donc les p P2... et aucun des deux n'est en surbrillant. Donc euh, c'est vraiment intéressant de ça de voir qu'il y a eu un match nul 0-0 et 100 personnes en surbrillant. Mais alors hier c'était encore valable. Si on va, on peut. Est-ce qu'on peut le voir Si je retourne dans éliminatoire est-ce qu'on peut avoir les groupes Non, on ne peut plus avoir euh, les groupes en passant par là. C'est dommage. Et si je vais dans le calendrier, est-ce que je peux remonter Oui, je peux remonter. Regardez, si on va là, on voit bien que les deux sont à 2-2. Ils sont restés le 166 et le P245 au même score. Ils avaient chacun gagné un match. Et si on va dans le détail là, ah là, ils ne le mettent plus hier. Les 166, ah si, si on passe en détail, regardez ce qui est intéressant, c'est que là, sur cet affichage là, regardez en bas du groupe D, les 166 sont en surbrillant, donc si on se fie à ça, les 166 sont considérés comme gagnants, c'est le seul endroit où on a une des deux alliances qui est en surbrillant, mais il faut bien le constater, on n'a aucun des deux là qui a de points, le pari n'a pas été statué, et si on regarde au niveau des 16e de finale, on voit. Les, euh, les BBTH rencontrent les 166, donc ils ont été distribués sur les 166. Et euh, les 245 rencontrent le 163. Donc euh, ils ont été dispatchés, donc c'est comme s'ils ont été qualifiés, puisqu'ils étaient euh, les deux premiers. Mais c'est intéressant de voir qu'aucun des deux n'a eu l'attribution des points, et aucun des deux euh, ne nous a permis de gagner, sachant qu'on avait parié sur le 166. Alors, j'ai un record euh, du match d'hier, je vais vous montrer ce qui s'est passé, et je vais vous expliquer, moi, le retour comme on a fait, et voir à la fin comment ça s'est passé donc on se retrouve au début de la partie et regardez là personne ne va prendre les structures le 166 contre le 245 ils vont tous tous au centre alors croyez moi ce flux pour y accéder hier il était blindé de ouf tout le monde le suit parce que c'était le seul match c'est vraiment le match mis en avant quoi comme le match de la champions league et regardez personne ne se dirige vers des structures, hein. ils vont vraiment tous au centre sur le tombeau donc je vous avais fait part d'un mail du 166 qui disait de ne pas parier sur eux, vous comprenez pourquoi maintenant, d'ailleurs il faut savoir qu'un joueur de chez eux s'est fait kicker euh, parce qu'il pense que c'est lui qui m'a donné cette info, apparemment cette info était vraiment confidentielle, fallait pas en parler, évidemment malheureusement pour celui qui s'est fait kicker, je suis désolé pour lui mais euh, cette info ne, ne vient pas euh, d'un joueur euh, de chez eux directement donc euh, malheureusement pour lui il s'est fait kicker, bon tant pis, mais en tout cas on le voit bien, ils se dirigent tous sans exception au centre là. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment étonnant de, de voir euh, qu'ils se dirigent comme ça sans prendre aucune structure. Donc on va aller un peu plus loin et vous allez voir euh, ce qui va se passer euh, par la suite. Une fois au centre, qu'est-ce qui va se passer ben, C'est assez simple. Hein. Ils vont se battre, ils vont tous se battre pendant, pendant longtemps et ça va être comme ça en fait pendant une heure. Pendant une heure, ils vont tous se battre au centre. Ça va ne faire que ça, donc ça va être une bataille épique au moins. Et c'est vraiment intéressant de voir ça parce qu'ils sont bien disciplinés et tout le monde a tenu l'accord. Ils ont dû avoir une longue discussion avant. Il y a un bon accord. Personne ne prend de bâtiment. Personne ne pose le tombeau, euh, puisqu'ils vont faire que ça pendant une heure complète hein, de tout le tombeau. Ils vont faire que ça, se battre au centre. Et donc, de ce que j'en sais sur cette information-là, c'était euh, une discussion qui avait eu lieu vraiment en amont. Et aucun des deux ne souhaitait tomber, c'est ce qu'il se dit, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce que la rumeur dit. Aucun des deux ne souhaitait prendre la, la deuxième place du groupe et risquer de tomber apparemment en 16e, puisque pour eux, celui qui était deuxième... Tombait contre les JWM et donc ils ont voulu aussi faire, euh, faire bugger le jeu, voir comment le jeu allait se comporter avec un vrai match nul. Donc c'était l'occasion de faire une pierre deux coups, voir comment le jeu, sachant qu'ils étaient tous les deux qualifiés de façon certaine, voir comment le jeu allait se comporter avec un match nul, un vrai match nul 0-0, et voir, parce qu'on n'a jamais vu ça en Osiris, hein, et voir aussi. Ce qu'il allait se passer, qui allait tirer au sort, comment Lilith allait choisir, si l'un des deux devait tomber contre les JWM. Pourtant, on a vu, aucun des deux ne tombe sur le tour prochain sur les JWM. Et en revanche, là, Lilith doit vraiment trancher parce que qu'est-ce qu'ils font des Est-ce que les il ils rendent tout le monde, les a à tout le monde et c'est matchs nul, et donc tout le monde, euh, personne n'a gagné Ça va être intéressant de, de voir vraiment ce que va décider de faire au niveau euh, des Auric et des paris. Lilith, moi, je suis curieux de le voir, j'attends de voir. À mon avis, ça va être statué dans la journée, donc on le saura. Peut-être au moment où vous regarderez cette vidéo, vous le saurez. Donc ça va rester comme ça en bataille jusqu'à la fin. Et vous allez voir, je vais vous amener à la fin parce que la fin est, est intéressante, euh, le, tableau, euh, le tableau de victoire à la fin. Donc, nous voilà sur l'écran final. On voit le score est pas dingue hein, de 72 000 pour le premier. Mais c'est euh, assez intéressant euh, de voir que malgré cette bataille épique, ils ont vraiment des, des armées et des commandants de ouf. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de gros joueurs qui s'est démarqué. Mais regardez, il y a quand même un des deux camps qui a été décidé vainqueur. Et pourtant, ça n'a pas été appliqué dans le classement. Alors, si vous regardez bien, j'ai été recherché hein, dans les règles du classement. Il n'y a rien qui est indiqué pour les matchs nuls, mais là, ils ont quand même euh, décidé, le, le serveur, le jeu a décidé que c'était euh, le, les P245 qu'on gagnait, donc il y a quand même quelque chose qui a été pensé par les développeurs, puisque si on regarde le total de nombre de blessés graves, c'est le P245 qu'on a fait plus, 2 millions à peu près euh, de plus, donc c'est lui qui est déclaré vainqueur par le jeu, mais malgré tout, il est déclaré vainqueur, mais pourtant... C'est ça que c'est intéressant. C'est pas comme ça. Quand je vous ai montré le tableau, vous avez vu, le seul qui est en surbrillant à un moment dans un sous-menu, c'est les 166. Mais pourtant, aucune des deux équipes n'a eu le point. Les P245, ils n'ont pas eu les points de la victoire. Et je serais curieux de savoir. Si euh, ils ont récupéré les items, puisqu'ils ont passé les 10 000, s'ils ont récupéré les items de la victoire, et que le P166 n'a pas eu les items de la victoire. Je pense que c'est le cas, que ces deux, ce mécanisme-là a fait que le P245 a eu les items de la victoire parce qu'ils sont indiqués comme gagnants là, et que le P166 ne les ont pas eu. Mais euh, là je n'ai pas de certitude, puisque j'ai pas eu de retour et j'ai pas de screen non plus, parce que le dire c'est bien, montrer un screen, ça serait mieux. Mais en tout cas, excepté cet écran là qui montre le P245 euh, gagnant, qui va à l'encontre du euh, classement où je vous ai montré le 166 sur brillant, mais pourtant aucun des deux n'a de points. Je pense que ça va se statuer comme ça. Hein, que c'est le p 245 qui va être gagnant. Et qu'on va récupérer les la mise euh, si on a misé. Euh, on va avoir les gains si on a misé sur les P245. Ce qu'on a fait. Hein. Donc je suis curieux de voir euh, la suite. Comment euh, va trancher ça euh, Lilith. Ça va être intéressant de voir ça. Pour finir, les amis, n'oubliez pas, on a reçu enfin. Un mail in-game avec les horaires de la maintenance. Combien de temps va durer la maintenance Donc regardez dans système, vous le voyez, mise à jour 1.0.32. Hein, il est tombé ce matin le mail. On le voit bien cette fois. Ça va être à 6h UTC. Donc 8h, n'oubliez pas, 8h pour nous. Donc de 8h à 11h, les serveurs vont être down. Ça vous donnera l'occasion d'aller voir mes anciennes vidéos si vous en avez raté. N'hésitez hein, pas, bien évidemment, à aller les voir. Donc on, ça va durer 3h comme d'habitude avec très certainement une mage supplémentaire d'une heure ou une heure et demie comme à chaque fois. Donc euh, pensez-y, n'oubliez pas que demain, malheureusement, en confinement de 8h à 11h, vous ne pourrez pas vous loguer sur le jeu. Voilà écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez bien évidemment, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 les amis, pour qu'on éclate, qu'on désintègre ce plafond des 4000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas non plus le concours, vous pouvez aller avoir la vidéo des 3000 abonnés jusqu'à vendredi. Vous pouvez aller sur cette vidéo, lâcher un com, lâcher un pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, vous abonner via le lien sur cette vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, et je vous dis à plus sur ROCK.